האמת שכמו שאין יהדות בלי השכבות השונות המאשרות זו את זו של התורה שבכתב, הנביאים והכתובים, בלי המשנה והגמרא, הקבלה, החסידות, ההשכלה והציונות הרוחנית, כך גם ירושלים לא הייתה זוכה למעמדה בלי הנגיעה וההתחקרות של כל הדתות והעמים אשר נשאו עיניהם אליה, בלי דוד המלך, בלי יהושע מנצרת והנביא מוחמד. Jérusalem, il l'a décrite dans ses livres et chantée dans ses poèmes. Dans le quartier de Talpiot, tout près du lieu où il vécut, familles, amis et officiels sont là pour rendre hommage à André Chouraki. Une place, inaugurée à son nom, pour honorer la mémoire de ce réconciliateur. C'est la reconnaissance de la place de cette figure exceptionnelle qu'a été André Chouraki, à la fois pour la France et pour Israël. Il a travaillé en fait sur à la fois les trois langues, les trois cultures et les trois religions. Et ça lui a donné cette extraordinaire densité humaine. Né en 1917 à Aïn Temouchan en Algérie, André Chouraki grandit dans une famille attachée aux traditions juives, où très tôt il goûte aux textes bibliques. Ses études de droit, d'hébreu puis d'araméen, il les fait à Paris. Avocat au barreau d'Oran puis juge à la cour d'appel d'Alger, il est chassé de la justice par les lois raciales de Vichy. Il trouve refuge en Haute-Loire et entre dans la résistance. Après la guerre, l'aventure d'Israël l'appelle, il part s'y installer à la fin des années 50. Algérie, France, Israël, au confluent de trois langues et de trois civilisations, aux frontières de trois univers, André Chouraki va sonder les mystères de l'écriture sainte. Il traduit la Bible, puis le Nouveau Testament et le Coran. Il est la première personnalité juive à traduire le texte sacré des musulmans. C'était quelqu'un à qui rien n'était étranger. Tout était pour lui source de connaissances et il était un pionnier du dialogue interreligieux avec les chrétiens après la Seconde Guerre mondiale, avec les musulmans. Il y avait en un homme énormément de capacité, de génie et de grande tendresse et de sensibilité vis-à-vis de l'humanité en général. À Jérusalem, André Chouraki devient le conseiller de David Ben-Gourion. À un moment de grande tension entre communautés séfarades et ashkénazes, il travaille au problème d'intégration des juifs originaires des pays arabes. C'était un homme du passage. Il n'a jamais opposé l'Orient à l'Occident. Il a bénéficié et de l'Orient et de l'Occident. Et c'est justement ces hommes qui ont été au carrefour de plusieurs identités qui ne s'enferment pas dans celle avec laquelle ils sont nés par hasard, mais au contraire ont cherché toujours à trouver des passerelles. En 1965, André Chouraki est élu vice-maire de Jérusalem. Sous le mandat de Teddy Kollek, il est en charge des relations interconfessionnelles et internationales de la ville. Après avoir co-créé l'amitié judéo-chrétienne et la fraternité d'Abraham en France, il inspire et fonde en Israël des comités de coopération entre des représentants des autorités juives, chrétiennes et musulmanes. Qu'il a mis en avant ce dialogue entre les religions à un moment où, au sein des religions, eh bien, des fanatismes naissaient. Il en était conscient, pour lui c'était tragique, mais il pensait foncièrement que les religions dans un conflit comme le nôtre ne sont pas un problème, ils sont peut-être une partie de la solution, sinon toute la solution. C'est en 1977 que paraît en 26 volumes sa traduction de la Bible, qui lui vaut une notoriété internationale. Il fallait beaucoup d'amour pour réaliser une telle œuvre, dira le pape Jean-Paul II d'André Chouraki. Délégué permanent de l'Alliance israélite universelle sous la présidence de René Cassin, diplomate et prix Nobel de la paix, il donne des conférences en Israël et dans le monde. Dans plus de 80 pays, André Chouraki parle de paix et de concorde. Nous avons encore un travail important à faire pour faire connaître non seulement son œuvre et sa pensée, mais je dirais surtout son esprit, son ardeur combative pour que ce qui apparaît comme une utopie soit une réalité. Je pense qu'il aurait été le plus heureux des hommes s'il avait pu assister aux accords d'Abraham. C'est un bâtisseur de ponts. C'est une voix. Enfin, ce qui m'est passé dans la tête, c'est que papa va être là pendant beaucoup d'années. Il était quelqu'un de très unique, surtout dans son message de réconciliation avec les trois religions. Et l'homme nouveau, avec un cœur nouveau et un cœur qui est ouvert. Pour ce message, je suis contente qu'il est là pour longtemps. C'est un bel endroit et c'est près de notre maison, quoi, ma maison d'enfance. Et alors ça lui ferait plaisir, je suis sûre.